J'ai toujours été critique en interne, mais j'étais pas aussi affûté que je le suis maintenant. Je veux dire, bon, après, j'ai vieilli aussi, j'ai lu plus, voilà, donc c'est difficile de se comparer. Mais ce que je peux dire avec le recul, c'est que je manquais de points d'appui pour faire une critique. C'est-à-dire que j'avais pas. Moi, voilà, ma formation, c'est la philosophie, c'est l'histoire. Voilà, je viens pas du côté Sciences Po. J'avais pas étudié, voilà, l'islam contemporain, etc. Et donc, c'était vraiment en étant à l'intérieur, je trouve que j'avais pas beaucoup d'appui pour articuler mes critiques. Donc, je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais j'arrivais pas à connecter tout ensemble et à avoir une pensée qui me permettait de dire non, mais ça c'est de la déconne totale, ça ne va pas en fait. Par exemple, des personnes qui ont été dans les Frères musulmans dans les années 80, après m'ont dit, mais oui, mais nous, on avait des camps d'entraînement. On allait dans la campagne en France on apprenait des chants du Hamas et tout le bazar et on s'apprêtait un jour à aller faire le djihad en Palestine. Quand ils m'ont dit ça, mais je suis tombé le cul par terre. J'ai dit quoi? Il me dit bah ouais, ouais ça s'est passé. Ok, bon, je suis très heureux de ne jamais avoir connu ça. Mais d'un autre côté, j'aurais connu ça, je pense que je me serais dit non, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, soyons honnêtes. Mais moi, je ne l'ai pas vu, ça ne se faisait pas en Belgique. Apparemment, ça se faisait en France, ce genre de truc. Alors peut-être qu'à l'époque, dans les années 80, il y a peut-être des Belges qui allaient faire ça en France, j'en sais rien. Mais en tout cas, je n'ai pas rencontré ça. Ça, moi, je pense que j'aurais vu ça, je me serais dit non, mais dans quel monde de fou je suis? Non, je me casse, quoi. Donc oui, il y a eu des choses quand même très problématiques qui ont été faites au sein des frères. Par rapport à une organisation qui se voulait un petit peu la pointe éclairée des musulmans, cet islam du juste milieu, etc. Non, oui, c'est encore plus impardonnable pour eux d'avoir contribué à répandre cet islam identitaire d'opposition. Et on l'a vu à travers des histoires sur le foulard, etc. Enfin, ils ont été à la pointe du combat, si je puis dire. Et alors que paradoxalement, en interne des frères, c'était Faisal Maolawi, qui était une des autorités principales des frères à l'époque, leur avait dit, mais non, arrêtez, ce qu'il faut faire, c'est l'éducation des filles, n'en faites pas un cheval de bataille. Et c'est des gens oui, des responsables de l'UEIF, comme Abdallah Ben Mansour, etc., qui proches de Narda, je pense, si je me souviens bien, qui ont dit, non, c'est notre droit, non, non, on y va. L'identitarisme, et voilà, qui nous ont mis pour 30 ans, maintenant, voilà, cette année, ça fait 30 ans l'affaire de Creil, 30 ans qu'on est dans la merde, pour le dire vraiment clairement. C'est la pensée koutbiste qui a été vraiment le détonateur, etc. Et je pense qu'elle a convaincu un certain nombre de personnes, même. Alors, des gens l'ont lu. Et je prends toujours le parallèle. Voilà. On peut être aujourd'hui, il y a des tas de gens, quand on regarde le niveau des électorats, que ce soit en France ou par exemple en Belgique ou ailleurs, on voit que les partis d'extrême droite durs rapportent 20-25% des suffrages. C'est beaucoup, c'est un électeur sur quatre. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un électeur sur quatre qui est en train d'imaginer un monde hiérarchisé où tous les êtres humains ne sont pas la même valeur, etc. Est-ce que c'est pour ça que cette personne, et encore heureux que non, vont prendre leur batte de baseball et aller buter tous les Noirs ou les Arabes qui vont voir? Non, c'est une minorité. Et donc je pense que vraiment, c'est ce que je dis, dans le monde musulman, par rapport à l'idéologie djihadiste ou ces différents miasmes un peu moins dangereux comme le salafisme ou le frérisme, beaucoup de gens vont avoir une vision du monde très hiérarchisée en estimant que tous les gens n'ont pas la même valeur, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont prendre les armes pour tuer l'autre. Mais alors là, on arrive, et c'est là qu'y a toutes les études, évidemment, sur les facteurs de radicalisation qui mènent à la violence, etc. Oui, à un moment donné, il y a des personnes, et je ne vais pas dire qu'elles sont plus fragiles parce que ce serait pas correct, mais qui se trouvent, comme on va dire, dans un espace particulier par rapport à leur parcours de vie et qui deviennent sensibles pour différentes raisons au moment de dire, bon, les gars, moi j'en ai marre de la galère. Genre quasi Dieu, on va pas attendre qu'il règle les affaires, on fait les choses maintenant. Et je prends les armes parce que c'est un combat politique et je veux faire advenir la cité de Dieu. Voilà, ils espèrent établir la justice, ce qui est très paradoxal vu de notre point de vue, mais bon. Donc on peut comprendre que des gens qui sont dans des situations, et qui plus est dans le monde musulman, dans le monde arabo-musulman, des situations de dictature pas possible, des situations de violence, des tortures en prison, etc., bon, ce n'est pas des paradis sur Terre non plus. Donc que des gens soient amenés à passer et à prendre pour eux la pensée djihadiste,
Oui, ça, je peux tout à fait l'entendre. Et elle a été véhiculée par les frères musulmans, c'est clair. Et donc là, aujourd'hui, cette idéologie-là qui quelque part, s'impose comme étant la voie du juste milieu, le seul islam à pratiquer, le meilleur islam à pratiquer, c'est en train de polariser la société d'une manière pas possible. Même si, à nouveau, je pense que les militants de base, ils ne sont pas du tout dans une optique, on prépare le djihadisme ou le califat. Je pense que pour la plupart, ce n'est pas leur sujet. Mais de facto, avec les autres mouvements, comme le salafisme, on va dire, rigoriste, on contribue à l'émiettement de la société, en vérité, où chacun va se. Parce qu'il y a un mouvement général d'émiettement de la société. Là, bref, je ne vais pas rentrer dans les analyses, ça nous amènerait trop loin. Mais donc, eux, ils participent à leur façon à fracturer la société sur des lignes communautaires, et on le voit. Le halal, la revendication qui est aussi portée par les fréristes, etc., c'est quoi? Je veux dire, comme je dis toujours, si on pratique la prière 5 fois par jour, ça se voit pas. On fait ça chez soi la plupart du temps, donc en fait, ce n'est pas un marqueur communautaire. Manger du halal, c'est un marqueur communautaire. Parce que là, on voit tout ce que les gens mettent dans leur assiette. Ah, toi, tu manges du halal, toi, tu manges pas du halal, t'es un mauvais musulman. Mais peut-être que le gars, il mange pas du halal ostensiblement, mais lui, il fait ses 5 prières par jour, il fait des jeûnes surérogatoires. Tandis que toi, tu bouffes de la nourriture soi-disant halal, mais tu picoles sur le côté, tu fais pas ta prière, tu jeûnes pas, ou autre turpitude, style Tariq Ramadan. Moi, ce qui m'intéresse, mais ça permet de bien montrer c'est quoi le cercle de l'entre-nous, pour finalement s'opposer à l'autre. Et ça, c'est vraiment, oui, c'est catastrophique. Et les frères musulmans ont participé et continuent à participer à ça tant qu'il n'y a pas de rétropédalage. Et j'attends pas le rétropédalage. Aujourd'hui, la ligne est de dire, on a le droit d'être conservateur, on a le droit d'être rétrograde, on a le droit d'être radical. C'est le moment où on commence à passer, où on bascule vers la violence, que là, ça devient un problème pour la sécurité publique, etc., et qu'il faut intervenir. Alors c'est vrai que la question se pose avec beaucoup d'acuité, évidemment pour les milieux islamistes et salafistes djihadistes, etc. Ça depuis les attentats de 2015. Et on pourrait avoir envie, et c'est vrai qu'il y a ces appels qui disent oui, mais alors il faut bannir les frères musulmans, etc. Parce que c'est un mouvement qui a participé à la répartition de cette idéologie. Certains ont proposé même d'interdire le salafisme. Bon, je leur souhaite bonne chance. Parce que là, pour le coup, enfin, même si je pense qu'on est arrivé à l'étiage en matière de diffusion, c'est là pour durer un bon moment. Mais je dis, ok, très bien. Mais si on fait ça sur les idéologies de haine, vous interdisez Renaud Camus et son grand remplacement, vous interdisez le FN, vous interdisez tous les partis d'extrême droite, parce que ce sont eux qui nourrissent les Breivik, les autres, etc. Ils ont cité, Breivik, dans son bréviaire, a cité Marine Le Pen. Les gars aux États-Unis qui sont en train de buter dans les mosquées, ils citent Renaud Camus. Il faut interdire les écrits de Camus, qu'on interdirait les écrits d'El-Qaradawi, etc. Donc, je pense que ça va être très compliqué, parce que tous ces mouvements sont sur le même segment idéologique, nourrissent la haine de l'autre, nourrissent la fracturation sociale et sont des ennemis du vivre ensemble. Alors oui, ok, on le fait. Ben alors on le fait pour tout le monde. Mais bonne chance. Donc, alors, moi, je dirais pas, je dirais dans l'absolu, si on pouvait, oui, il faudrait le faire. Mais après, on va commencer à dire, où est-ce qu'on va tracer les lignes? Ça va être très compliqué. Alors, la violence, on connaît plus ou moins. Pour une société démocratique saine, quel degré de radicalité est-ce qu'on peut accepter? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces gens, ils vont quand même continuer à faire. C'est des militants. Donc, même si on leur ferme une porte, ils vont rentrer par une autre. C'est honnête. Donc, très clairement, je pense que pour moi, le seul dans une société démocratique qui n'essaye pas de mettre une dictature en disant tout le monde doit penser, on interdit. Bon, alors, il y a des choses qu'on pourrait faire. On pourrait quand même interdire quelques ouvrages. Honnêtement, ça, on peut faire. Tous les ouvrages qui incitent, et quel que soit leur bord, où on a des incitations à la violence, homophobes, racistes, antisémites, contre l'égalité, parce qu'on a quand même des lois, hein, on a quand même des arsenaux législatifs qui ne sont pas à piquer des hannetons, on est quand même dans les pays qui sont les mieux protégés. Mais qu'on se donne la peine d'aller dans les librairies islamiques, pour ne citer qu'elles, de la même façon qu'on doit regarder un peu ce qui se passe dans la littérature d'extrême droite et qu'on commence à sabrer. Ça, on peut déjà faire. On pourrait déjà commencer à mieux policer l'Internet. Ça commence à se faire de plus en plus, à retirer le contenu, etc., même si c'est un peu un puits sans fond. Mais déjà, faisons ça.
Et alors après, oui, ben, dans une société démocratique, c'est de faire en sorte de donner des espaces et de soutenir les voix alternatives. Et qu'elle crée, et qu'elle soit dans ce, on va dire, dans cet ijtihad, cet effort intellectuel. Et je le vois qu'il est en train d'arriver, hein. Là, on commence à avoir des jeunes auteurs qui commencent à produire. On voit des imams femmes qui arrivent. Alors oui, ok, c'est des gouttes d'eau, d'accord. Mais il y a toujours un tenter où on commence. Comparé, si vous vous souvenez d'où on était en 2014 ou 2015, on a déjà fait un grand pas. Moi, je le vois aussi dans toutes les conversations, les forums qui s'ouvrent, la critique de plus en plus ouverte de l'islam, du discours salafiste, du discours traditionnel. C'est en train de partir dans tous les sens. Et donc, je dis là, ok, là, c'est en train de se passer là maintenant. Donc, c'est ça qu'il faut nourrir. Ça y est déjà, c'est anarchique. Et c'est très bien, c'est pas grave. Donc, à un moment donné, il faut se dire, bon, bah, si vous voulez faire émerger les voix, il faut leur donner des moyens, les gars. Soit c'est une priorité nationale et on se dit, on fait quelque chose. Soit on s'en fout et puis bah alors il faut pas vous étonner que les frères aient continué à régner, que les salafistes continuent à avancer, etc. Donc les outils on les a, les intellectuels, et je le vois aussi en Allemagne, je le vois en Angleterre, en France, Belgique, Pays-Bas, il y a vraiment des voix qui commencent à monter là, les 30 plus, trentenaires plus. Donc il y a une relève qui est potentielle, mais faut la soutenir. Pour moi, plus que d'essayer d'interdire, alors je peux vraiment l'entendre de manière intellectuelle, mais pratiquement, je pense que ça va être très compliqué à faire. C'est plutôt soutenir les voix autres qui se détachent, qui critiquent, qui proposent des nouvelles choses. Là, je suis assez optimiste sur ce qui est en train de se passer. On a, parce que tout ce qui a été porté par les frères musulmans, etc., c'est quand même la première génération, disons-le, début de deuxième. Et je vois que là maintenant, on commence à avoir une deuxième génération qui commence à arriver, qui commence à, voilà, qui sont, je veux dire, qui commence à une bourgeoisie qui monte, qui a d'autres besoins. Voilà, et je pense que d'ici les 10 prochaines années, dans la prochaine décennie, il va y avoir cette rencontre de public en fait, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'entendre cet islam parce qu'ils sentent bien que c'est ça qu'ils veulent et qui vont avoir les moyens de pouvoir le faire vivre. C'est juste que pour le moment, on est un peu dans des déphasages en fait. Voilà. Et aussi au niveau des publics des mosquées, on est encore essentiellement dans des premières générations qui veulent avoir leur petite Madeleine de Proust quand elles vont à la mosquée. On attend la voix du pays avec un imam qui a le même accent qu'au bled, etc. Ça change. Les deuxièmes générations commencent de plus en plus à prendre le pied dans les mosquées. Donc elles vont venir avec d'autres exigences, d'autres exigences aussi pour les imams en termes de discours, avec des imams qui vont devoir de plus en plus parler dans les langues du pays. Donc voilà, je pense que là on est vraiment à l'aube de quelque chose qui est en train de tourner, mais il va falloir encore, la pensée frériste et la pensée salafiste et tabliriste, elle va encore avoir un impact pendant, comptons, allez, moi je dis comme ça, une bonne génération, facile. Faut pas se leurrer, hein. On a 4 générations derrière, hein. Donc ça va pas être effacé comme ça. Mais en même temps, ça va vite. Et donc d'ici 10 ans, je vois des changements vraiment de rencontres de public qui vont permettre de vraiment monter en puissance, mais l'impact va être à plus long terme de la pensée salafiste, ça c'est clair. Mais on en sortira, je suis optimiste.